Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Il y a beaucoup de bruit derrière moi et vous le voyez, on est au boulot avec Pascal, il y a beaucoup de vent aussi. Parce que aujourd'hui on va unboxer, comme on l'a déjà fait avec la M1000RR, deux nouveautés à La Réunion, la toute nouvelle S1000RR, donc version 2023, en plus dans une livrée rouge absolument magnifique. Et puis ensuite, on va découvrir la toute nouvelle M1000R. C'est un tout nouveau modèle, c'est la première M1000R du marché. Donc elle arrive, elle est là, on va la déballer ensemble. José, oui. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bah écoute, impeccable. Aujourd'hui, bah, on a ces deux gros cartons ouais. Devant nous. Ouais, ouais, on compte sur toi pour nous les déballer. On va essayer de faire ça bien. Allez, on commence par celle-ci. Allez, c'est parti. Allez. Le rouge pétant. Waouh. Là, on y va doucement. Voilà la technique. On va y poigner la moto avec. Tu sens la moto hyper sport, hein. Incroyable. Bon les amis, on a déballé la première moto, elle est juste ici, c'est la S1000RR 2023 dans une livrée rouge sublimissime. On va évoquer maintenant quelques chiffres à sec. Cette moto fait 175 kg, elle développe 210 chevaux grâce à son 4 cylindres en ligne, un couple de 112 Nm, une vitesse max estimée à plus de 300 km/h. C'est un véritable missile. Regarde devant ici, tu as cette sublimissime ligne Akrapovitch qui fait donc tout le long. Et puis surtout, on précise que sur une moto comme celle-ci, on a quand même le shifter de série. Donc c'est plutôt sympa. Celle-ci, c'est un bijou, c'est un monstre. Mais José, maintenant, il va nous déballer celle-là. Celle qui est ici, c'est une nouveauté, c'est assez exclusif. Le monstre ultime, c'est la M1000R, première du nom, que bah, José, je t'invite à déballer. Ok, on est parti. Let's go. Allez, on va voir la bête. José, t'en as déballé toi des monstres? Oui. Bon, bah. Okay, ouais. Mais celle-là, c'est unique. Allez, go. Attention. J'ai une fois tous les 100 ans. Ouf. Mon Dieu. Oh là 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 là. M1000R. La première du nom. Putain, le carbone, il est de partout. C'est incroyable. Malade. Allez, cadeau. Vous voulez pas venir manger? Ça y est les amis, elle est déballée, elle est devant nous, la toute nouvelle M1000R, première du nom. Première chose qui te saute aux yeux, autant à toi qu'à moi, c'est le carbone. Il y en a ici, tu en as là, tu en as sur le réservoir. Regarde tout le contour là ici, là, c'est juste sublimissime. Bon, évidemment, tu le vois, hein, il y a un shifter de série sur cette moto. Putain, tous les éléments en carbone font le tour de cette moto. Viens avec moi, viens, passe par là. Passe par là et regarde la superbe ligne Acra. Juste sublime quoi. Jette un coup d'œil maintenant de ton côté là. Je t'ai dit, il y a du carbone hein, partout. Même dans la jante, ce sont des jantes en carbone, donc allégées. Elles sont juste sublimissimes. Puisque tu as l'arrière, bras oscillant en alu, avec suspension entièrement réglable. Ici,
tu as une fourche inversée Marzocchi, également 100% réglable, avec ces fameuses jantes en carbone qui sont juste magnifiques. Disque de frein 45 mm avec étrier M. Bon, on est sur quelque chose qui est très joli. Regarde même le souci du détail dans le phare avec la présence du logo M. Le guidon spécial Roadster, spécifique à cette version-là. On a un écran TFT en couleur sublime. Pourquoi je dis autant sublime et autant waouh? C'est parce que c'est la toute première M1000R. On connaissait, on l'a découvert l'année dernière, la M1000RR qui était déjà la première moto BMW M. Elle est magnifique, c'est incroyable. Celle-ci, bah, c'est le premier roadster en réalité qui sort des usines de M, et je trouve qu'elle est plutôt sublime dans cette livrée carbone noire et puis les couleurs M Motorsport qui sont sublimissimes. On va parler un petit peu, on va citer quelques chiffres. On est sur une moto qui fait tout plein fait 199 kg pour une puissance de 210 chevaux sur un roadster, c'est absolument dément. On a un couple de 113 Nm, une vitesse max, je te laisse imaginer, qui doit dépasser les 300 km/h. Shifter pro, up and down, la totale. La sportivité, il y en a partout. Regarde même le travail aérodynamique qui a été fait à l'avant avec ses ailerons qui, pour moi, en plus sublime en termes de look, cette moto. C'est assez incroyable. S1000RR 2023, M1000R 2023, elles viennent d'arriver toutes les deux à La Réunion. On a la chance de les unboxer, hein, les ouvrir, les déballer pour vous. Les amis, bien évidemment, ces deux motos, on vous en dira plus dans quelques temps. Hein, le temps qu'elles fassent leur rodage, le temps que certaines retrouvent leurs clients, parce qu'elles sont très attendues. En tout cas, nous, ça nous a fait très plaisir d'être là pour les découvrir et vous les faire découvrir en avant-première. Elles viennent de poser leur roue sur l'île de La Réunion. Donc, c'est un événement. Cette M1000R, écoutez, ce ne sera pas la seule sur La Réunion puisque d'autres sont prévus. S1000RR, bien évidemment, il y en aura, vous les verrez un petit peu partout sur l'île. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube et TikTok, à prendre soin de vous et de vos familles. On se dit à très bientôt sur la chaîne Motors. Ciao.